Chers amis, bonjour. Je viens de finir mes consultations ce matin. Une petite, quelques instants pour faire une vidéo intéressante, car j'adore partager mes découvertes, mes expériences avec mes chers abonnés, mes chers fans. Chers amis, c'est grâce à vous, j'ai de l'énergie. Cela me motive. Le partage, ça donne plus d'enthousiasme à mes expériences en disant: je dois absolument bien faire les choses pour mes chers fans. Vous me motivez, chers amis, et je vous remercie. Tout cela pour le progrès, la vie en pleine conscience. Vous vous souvenez, dans toutes mes vidéos, je vous explique que le but, c'est d'évoluer dans la prise de conscience, transformer ce qui est inconscient en conscient. Ainsi, notre forme se perfectionne et on devient plus fort. Car dans le cerveau, lors de la prise de conscience, engendre de l'énergie vitale. Et ainsi, on devient résistant et fort contre les maladies. Les maladies, chers amis, à la poubelle. Cette énergie augmente aussi et s'amplifie par la réflexion. Je vous ai toujours expliqué ma nouvelle technologie de la bioméditation par réflexion et l'observation. Tenez, j'ai découvert là dans mes promenades, dans mes recherches, des documentaires qui aident tous mes propos. Depuis 2 ans, je vous explique le microcosme, notre organisme, nos cellules et le macrocosme. Il y a 10 ans, chers amis, je fais une conférence qui s'appelle "Le fer qui est dans vos globules rouges vient des fonds des étoiles". Et là, aujourd'hui, je viens de découvrir qu'un des plus grands physiciens de notre temps dit la même chose. Moi, je l'avais déjà dit il y a 10 ans. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais soyons humbles et transmettons. Oui, chers amis, si on réfléchit que le fer qui est dans nos globules rouges a été fabriqué au fond des étoiles, eh bien, ça nous donne à réfléchir. J'ai vu aussi hier un documentaire sur RMC. Je vais vous la mettre de toute façon. Pas de problème, chers amis. Il me faut juste le temps pour faire le montage, pour éditer tout cela sur YouTube. Juste un peu de patience, chers amis. Que ce grand physicien, astrophysicien, l'a dit. Et dans le documentaire sur RMC, il dit: ah, oh, c'est des extraterrestres qui sont venus nous aider. Mais chers amis, si vous réfléchissez bien, est-ce que vraiment nous appartenons à cette Terre? Qu'est-ce qui appartient à cette Terre? Déjà, les molécules qui composent notre corps viennent des étoiles. Déjà, notre planète vient du cosmos. Il a été fait comment? En fait, ceux qui essayent de dire alien théorie ou les extraterrestres, mais pourquoi extraterrestres? Parce que vous prenez la planète Terre pour le centre du monde. La Terre n'est qu'une graine de poussière. Un simple caillou dans ce cosmos, adorable, très beau d'ailleurs. Ce que je vous invite dans les vidéos qui vont suivre, juste, il nous faut juste le temps pour les préparer, c'est qu'il ne faut pas dire que c'est des extraterrestres qui sont venus là. Non. Je vous l'avais expliqué dans mes vidéos. Vous vous souvenez de la poupée gigogne? Attendez, je vais vous la chercher. Voilà, vous vous souvenez, ça, ce n'est pas simplé. C'est simple. Les physiciens actuellement, ils disent que notre cosmos se compose, disons, des plans. Et chaque plan est différent. Il y a un taux vibratoire énergétique. OK? Voyez? On appelle ça les univers gigognes. Et l'être humain est ainsi. Il a des plans. Mais ce n'est pas ces plans. Une fois que on laisse un corps physique, par exemple, eh ben, ça ne devient pas extraterrestre. Il est déjà là, mais il va vibrer avec d'autres plans. Ceci dit, je pense que je vais vous laisser avec les documentaires et essayer de méditer pendant quelques jours sur le thème de ces vidéos. Et je vous assure, on avance. Tenez, par exemple, vous voyez dans cette vidéo, je vous parle de microcosme et de macrocosme et les analogies dans les structures. Ceci pour étendre le champ de conscience. Et si je clique ici, j'agrandis, je fais tellement d'autres vidéos sur la connexion cosmique, le nouveau concept, l'ultime secret.
mécanisme de la vie, les lois de la vie, les trois lois. J'en avais tellement parlé dans les vidéos 90, le silence, ainsi que sur les irradiations. Je pense que ce sera intéressant que vous revoyiez ces vidéos-là pour avoir plus de compréhension et approfondir la méditation et la réflexion. Alors, est-ce que j'ai d'autres photos? Voyons, on va échapper ici. Alors maintenant, je vais vous présenter le microcosme, comment les savants, ils ont réussi à filmer les cellules en activité. Si je clique là-dessus, voyons ce que ça donne. Alors, si on grandit, c'est dans l'imaginaire. Vous voyez là, la cellule, là, comment elle migre, comment elle bouge. La vie, c'est le mouvement, chers amis. Regardez, admirez comment notre corps régénère, comment notre corps se repare grâce à l'activité cellulaire en permanence. Je peux vous dire plein de choses sur le corps humain. Que les globules rouges se renouvellent tous les 3 mois. Que toutes les 3 semaines, on a des nouveaux neurones à partir de bulbes olfactifs. Je vous laisse lire, je vais mettre un peu de musique. Tout en regardant cela, observez et comparez. Et ainsi, il y aura le mouvement dans le cerveau. Regardez, admirez, admirez la vie. Comment un être humain peut-il oser, par des drogues, des toxiques, perturber ce fonctionnement, par des excès, par nos péchés mignons? On perturbe cela. Là, il vous dit le macrocosme et le microcosme, ils utilisent, ils combinent les technologies, si vous voulez. Admirons. Observez, observez toujours intelligemment sans juger. Voilà, merci Smart Curious, j'adore la curiosité. Et je pense que j'ai mis les commentaires ici qui vont venir. Une nouvelle technique d'imagerie des pointes, une technologie récemment permis d'immortaliser un spectacle fabuleux. Spectacle fabuleux. Mais c'est la réalité, chers amis, la science, c'est nous. C'est quoi les scientifiques? Les scientifiques, ils font une expérience, ils la... et d'autres laboratoires peuvent reproduire cette expérience. Mais nous, nos expériences, ils sont là, on sait, et on peut les reproduire, on peut les ressentir. On en garde des souvenirs. La science, c'est nous, chers amis. On va reprendre l'autre vidéo. Voilà, ce grand astrophysicien, ce qu'il dit. Les choses les plus extraordinaires est le fait de savoir que les atomes qui constituent la vie sur Terre ont été faits au fond des étoiles. Franchement, c'est pas nouveau. Il suffit d'y réfléchir. Nous sommes composés de poussière d'étoiles, chers amis. Dans ce sens, on est des extraterrestres, si vous voulez. C'est pas parce que les journalistes de RMC vont dire qu'il y a des extraterrestres qui viennent d'or avec des soucoupes volantes. Les extraterrestres, c'est nous. Notre planète Terre n'est qu'une station de métro, une station d'aiguillage qui va nous aiguiller vers d'autres mondes parallèles en fonction de notre composition pour chaque corps. Ces ingrédients rejoignent les nuages, les planètes, ces planètes maintiennent les ingrédients de la vie. Mais bien sûr, c'est élémentaire. Les ingrédients de la vie sont fabriqués dans le cosmos. Nous sommes l'univers. Nous sommes le monde, chers amis. Je répète avec Krishnamurti, je vous avais indiqué ces livres. Ouais. Ce n'est pas trop tard, hein, de méditer là, hein, en regardant ces merveilles.
il y a un niveau de connectivité. Chers amis, je vous l'avais expliqué souvent que tout est résonance, n'est-ce pas? Alors là, je pense qu'il y aura les paroles. Ah, oh, c'est beau, hein, ces images. Je crois que j'avais mis les commentaires. Voilà, cette vidéo va changer votre vision du monde. À partager. Dans le magazine Times, grand astrophysicien Neil deGrasse Tyson. Tyson, il est fasciné. Mais c'est ça, c'est s'émerveiller, chers amis. Pas la peine d'aller méditer pendant des heures. Je m'excuse, hein, je respecte ceux qui méditent. Ou aller faire des stages payants. J'ai vu là des patients qui sont allés en Inde, payer 2000 euros par personne, dans des ashrams, entre guillemets, ils étaient 70. Mais c'est lamentable, chers amis. C'est pas la peine d'aller en Inde, entre guillemets, dans des ashrams, où c'est l'arnaque. J'ai vu ça, et je le constate. Ah, les Occidentaux vont aller en Orient. Trouver le divin. Alors que le divin est en eux, à l'intérieur, dans leur étincelle, dans le plexus solaire, vous vous souvenez? Ce qu'il a dit, les sages. Le sot va chercher loin de lui, alors que l'intelligent, lui, cherche au fond de lui. Je vous assure, chers amis, je suis choqué par le récit de certains patients. Ils étaient 70 dans un truc en Inde, soi-disant ashram. On les manipulait, on leur interdisait même de prendre le taxi pour sortir. Mais il faut être stupide pour accepter d'aller faire des choses pareilles. Il faut être endormi. Réveillez-vous, chers amis. Et allez, émerveillez-vous. À bientôt. Certes, chers amis, notre corps est poussière d'étoiles, mais pas l'amour divin qui nous anime. À bientôt, chers amis, et méditez bien. Est-ce que je suis clair, chers amis?